Bonjour, bonjour. Un petit truc original aujourd'hui, c'est un casse-tête. Donc, je parle pour ceux qui adorent les casse-têtes. Donc, ça fait un petit peu partie de la magie, les casse-têtes, parce que souvent on donne ça à table pour les occuper, pendant que nous on fait nos préparations. Et celui-là, c'est tout nouveau, donc c'est dans ces boîtes-là. C'est balèze. Moi qui adore les casse-têtes et qui adore les réussir, celui-là pour l'instant, ça fait 3 jours que je suis dessus, ben, je trouve pas. Le but, vous avez compris, c'est d'enlever, parce que là, ils sont enclavés, 1, 2, 3 anneaux. Ils n'ont pas les mêmes formes, ils ont des chiffres, là, il y a marqué 1. Sur celui-là, il y a 2, il y a 2 points. Sur l'autre, il y a 3 points. Là, il y a une encoche que les autres n'ont pas. Où c'est qu'il y avait une autre encoche que les autres n'avaient pas? Il y a des trucs bizarres au niveau de la forme que les autres n'ont pas, chacun est différent. Donc il doit sûrement avoir un ordre et une position vraiment idéale pour pouvoir sortir, mais j'arrive pas. Voilà. Donc ceux qui aiment, bien entendu, il y a la solution, puisque j'ai eu marqué hors fort solution, et il y a trois sites. Peut-être euro.com et .jp, donc peut-être en plusieurs langues. Donc il y a quand même une solution quelque part, mais le principe c'est de y arriver. Donc une fois que la solution est là, c'est moins rigolo. Donc je cherche et je n'y arrive pas. Donc ceux qui aiment les casse-têtes, si vous voulez l'offrir ou le faire vous-même, je vous garantis celui-là, balèze, balèze. Jérôme a cherché aussi, hein, Jérôme. Et Pour l'instant, je suis pareil que toi, regarde, enclavé. c'est pareil que moi, voilà. Donc voilà, ceux qui aiment les casse-têtes, eh ben voilà, c'est tout nouveau. On n'en a pas beaucoup parce qu'on voulait juste voir la qualité, mais bonne qualité hein, au niveau de ferraille, c'est du costaud. Souvent, en forçant un peu, en tirant un peu, on les casse ou on y arrive à passer. Celui-là, vous pouvez y aller, ça ne sera pas en forçant que vous allez y arriver, celui-là. C'est vraiment en douceur et le mettre dans la bonne encoche pour pouvoir. Mais voilà, ceux qui aiment les escape games, eh ben, jouez et essayez de vous évader. Si vous y arrivez, balèze. Voilà, casse-tête, le nouveau, je ne sais pas comment on va l'appeler parce que c'est marqué Cast Chain cast s'appelle. chain, donc il y a plein d'étoiles, normalement c'est 5 étoiles, là ils avaient la place, ils en ont mis des kilos, ça doit être au niveau difficulté, donc voilà. Ceux qui aiment les casse-têtes, faites-vous plaisir, c'est nouveau, c'est que du bonheur.